Bonjour à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le nouveau bulletin des orages de ce mercredi 17 juillet. Donc voilà, avant de commencer le bulletin J+1, J+3, vous le savez, on va commencer par la carte principale avec donc ce mercredi 17 juillet 2019, et eh bien des orages qui pourraient éclater sur les reliefs du sud, plus précisément vers les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes du Sud. Voilà. Quelques orages sont attendus en cours d'après-midi sur les Pyrénées, le sud des Alpes et les abords des Cévennes. Ils resteront localisés et généralement peu intenses. Voilà, donc a priori, ces orages ne devraient pas être intenses. Hein? Voilà. Bien. Parfait. Donc il n'y a pas de risque de tornade ni de grêle violente. Ok, bon, très bien, on a vu ça. Maintenant, on va aller sur le bulletin J+1, J+3. Alors, pour jeudi, eh bien, pour jeudi, eh bien, il y a un risque orageux encore. Un risque orageux sur l'est, l'extrême est, les Alpes du Sud, la Corse, même si le risque paraît assez marginal sur la Corse, ainsi que sur les Pyrénées-Orientales. Voilà, un risque modéré qui concerne une partie de l'extrême est des Vosges et jusque vers la Moselle. Il y a aussi les Alpes du Sud qui sont concernées par un risque d'orage modéré. Et dans le périmètre du risque modéré, c'est-à-dire le contour du risque modéré, eh bien on a un risque d'orage plutôt faible. Voilà. Juste autour de la zone où il y a des orages risques modérés. Voilà donc. Hein, pour ce jeudi, donc demain. Ensuite, vendredi, eh bien voilà. Vendredi, retour des orages par l'ouest du pays. La tendance orageuse se confirme comme je vous l'ai confirmé dans les bulletins d'hier et avant-hier et bref, tout ça. La tendance orageuse se confirme donc. Avec donc un risque d'orage modéré qui concerne la Bretagne puis la Normandie. Hein. Ce sera plus marginal en allant sur les autres régions, passant par l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, le bassin parisien, puis les Hauts-de-France. Et puis il y a aussi un risque encore d'orage vers les Alpes et la Corse. Attendez. Mais voilà les poteaux, donc voilà. Désolé, j'étais parti manger, voilà. Donc, on peut continuer. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah oui, au risque orageux de ce vendredi. Eh bien, le risque orageux qui concerne la Bretagne et la Normandie est modéré. Et puis, sur les autres régions, ce sera un risque assez marginal. Donc, un risque plutôt faible. Des Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Centre-Val de Loire. Bassin parisien, puis les Hauts-de-France, et puis il y a un autre risque marginal là aussi pour la Corse et les Alpes du Sud. Voilà. Par contre, à partir de samedi, voilà. Samedi, eh ben, y a un risque orageux modéré sur le nord-est du territoire et les reliefs du Massif central, puis des Alpes, et puis un risque marginal qui concerne de nombreuses régions. Donc voilà. Donc samedi, les orages, toujours épars, concerneront les deux tiers est du pays. Ils seront plus fréquents et parfois modérés près des reliefs et sur le quart nord-est du pays. Voilà. Bah, c'était tout pour cette vidéo bulletin des orages. Puis je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.